Bon matin, bon matin. Salut la gang. Bon matin, salut Sébastien. Salut. Je me suis installée dans mon den un matin, Rollfeu. Hein? J'espère que ça va bien. On va attendre que tout le monde se branche. Ça sent bien. J'avais une petite minute en retard, là. J'avais des petits problèmes avec ma connexion. Les internets, des fois, là, hein? Ça fonctionnait pas. Avant que ça redécolle, là, puis même ça a pris une fois, je me suis branchée, je me suis débranchée, puis là, tiens, ça marche. Ça fonctionne. J'ai tout le temps comme mon ami Stéphane Monette, les internets pédalent pas assez vite. C'est ça, salut la gang. Salut Rachel, bonne année à toi aussi. Bonne année. Hein? Hey, salut, c'est donc mal fun de voir matin. Je pense qu'on va être une bonne gang. Coucou Ginette. Je sais qu'au Nouveau-Brunswick, entre autres, je sais pas au Québec ou ailleurs au Canada, mais l'école ici commence juste lundi prochain. Il vous reste encore une couple de jours de congé, vous autres, là. Hein? Fait que ça se peut qu'on ait du monde qui travaille dans les écoles. Merci. Bonne année à toi, Dan. Bonne année. There we go. J'espère que vous n'êtes pas trop poqués un matin, vous êtes en train de prendre votre café, vous autres aussi, pour ceux qui ne travaillent pas, ceux qui travaillent. Nous autres, aussi, vous m'écoutez en chemin. Sylviane, Thomas, bonjour. Suzanne, bonne année, merci. Brenda, bonne année, bonne année. C'est donc le fun de te voir. Ou, hey, j'ai eu de la visite, petite tranche de vie. Janine, Landry, salut. On a eu de la visite. Daniel, tu sais, je vous parle de Daniel, comme son processus pour prendre sa vie. Salut Bibiane, salut! Hein, on s'est parlé au téléphone il n'y a pas longtemps. Non, mais le fun. Salut Stéphane Leblanc! Stéphane Leblanc, il est dans le garage en train de prendre son café. Faire un feu pour les chiens dans le garage. Ben, c'est ça, on a une petite tranche de vie. Tu sais, le processus à Daniel, comment ça s'est passé, tu sais, je vous en ai parlé, puis vous m'arrêtez, vous me demandez qu'est-ce que t'as, comment on a fait pour aider Daniel, qu'est-ce que lui a fait, finalement, c'est lui qui a fait les démarches, puis tout ça, pour être capable de prendre sa vie en main, parce qu'il était pris dans son corps, ben c'est ça, la veille du jour de l'an, le 31, moi et Stéphane, on recevait nos amis, la famille, nos enfants avec leurs conjoints. Puis on a fait un petit party dans le garage, c'était bien le fun. Puis on se tourne de bord, qui est-ce qui rentre? Daniel. Mais Daniel, il reste à Iberville, Saint-Jean-sur-Richelieu. Toute une surprise, je vais vous dire. Mais, tu sais, on se voit par Zoom, par FaceTime, on se parle, puis tout ça. Mais là, de le voir, c'était extraordinaire de voir... De le voir marcher, comment est-ce qu'il. Comme. Il a repris possession de son corps, il était prisonnier de son corps, complètement. Puis dans si peu de temps, tu sais, des fois ça a l'air pas long, mais ça peut être très long. Tu sais, quand on dit que, ah, dans un an c'est vite passé, puis on dit, OK, des petits changements ou des ajouts, plus comme des ajouts, des ajouts de nouvelles habitudes. Puis on ajoute des affaires, puis tranquillement, le reste s'en va. Mais le day-to-day, là, ça, c'est le crosseur, il embarque, là. Hein, quand t'as des habitudes de vie que, tu sais, c'est tellement ancré. Ben, un exemple, tu conduis, tu t'en vas au travail, puis c'est toujours la même route que tu prends. Tout d'un coup, tu dis, j'ai-tu passé ce pont-là? Hein, je suis déjà rendu là. Parce que c'est un automatique. Mais quand ça fait tellement longtemps que, oh, je sais pas, je vais donner un exemple. Prête au service à l'auto, un café, trois crèmes, trois sucres, avec deux muffins, explosion aux fruits. Vous savez de quoi je parle. Mais c'est un automatisme, ça se fait tout seul, pouf, les muffins arrivent, café, je suis retournée. On ne sait pas pourquoi, on est au service à l'auto sans s'en rendre compte. Char, t'es là tout seul, conduis là tout seul quasiment. Tellement que c'est une habitude ancrée que, pourquoi je fais ça? C'est parce que je vais vous conter que moi, à un moment donné, je travaille à Batters, au centre-ville. Fait que ça me prend du temps. Salut, Louis!
Ça me prend du temps au centre-ville de chez nous. C'est pas tellement loin, mais là, il y a les lumières, il y a le trafic, tout ça, puis ça me prend 45 minutes de me rendre là. Ben, je me suis rendu compte qu'un vendredi, je me levais 30 minutes avant pour moi aussi m'en aller là-dedans, faire la queue dans le service à l'auto. Puis là, je suis en réflexion. J'attends, puis je réfléchis. Je me dis, Dani, qu'est-ce que tu fais là? Ça n'a aucun bon sens. Mais ça, c'est moi qui ai décidé ça, tu sais. Ben, j'étais là-dedans. Ben, je me suis dit, c'est assez, là, que je vais m'acheter du bon café. Tu sais, des fois, on va à l'épicerie, on se dit, ah, ce café-là, il est bon, mais il est cher. Il est cher. Hey, mais mon sommeil, il est-tu pas cher, lui? 30 minutes avant? En plus, ça coûte 4 fois le prix que si je l'aurais fait chez nous. Tu sais, c'est vraiment quelque chose, là. Tu sais, même une machine pour faire, se faire un latte à la maison. Tu sais, c'est le fun d'aller, comme chez nous, on a l'auberge, là, c'est le café fantastique, un bon latte, mais je suis pas là à tous les matins à attendre mon latte. 2 lattés, c'est quand même, c'est 10 piastres, là, 2 lattés, là. Fait que, si tu prends 2 lattés tous les jours, ouais, pareil, hein, t'as un beau magot d'argent de ramasser à la fin de l'année, mais je peux m'acheter une super machine, hein, je pense que c'est des, comment est-ce qu'ils s'appellent, les bonnes machines pour se faire des lattés en Breville. Chose comme ça, hey, c'est 400$, c'est bien trop cher. 400$, 500$, il y en a 800 puis 1000. Ben, finalement, 2 lattés par jour, hein, c'est pas cher la machine. Mais ben, tout ça, hey, là, je déborde. C'est vraiment une habitude. Ben, c'est pour ça que ces habitudes-là, ça peut être long, 1 an, 3 ans, c'est-à-dire quelques mois de prendre sa vie en main, mais ça peut être extrêmement long parce que c'est. Ces nouvelles habitudes-là que tu veux prendre, ben, c'est tellement ancré dans toi que pouf, t'es là. Oh, Frank, qu'est-ce que je fais là? Puis même, je vais vous raconter quelque chose par rapport aux habitudes, c'est que, prenez conscience, là. On va déjeuner le matin. T'sais. Nous autres, on aime beaucoup déjeuner, ma famille. Mes enfants adorent aller déjeuner. Tu veux faire plaisir à mon garçon, là. Tu m'invites à aller déjeuner. Ah, il est content, il aime ça, aller déjeuner. Mais, là, on s'assoit, puis même entre amis. T'sais, une fin de semaine, le dimanche, on va déjeuner. Fait que, voulez-vous, la serveuse, elle arrive ou le serveur, puis il va nous dire, voulez-vous le menu? Oui, mais si c'est le même restaurant que tu vas tout le temps, tu le connais, le menu. Si tu réfléchis à ce que tu commandes, on commande toujours la même affaire. Toujours, toujours. On prend le menu pareil. Mais pourquoi? Finalement, on prend le menu, on le lit, on regarde. Mais ça va être, je sais pas moi, 2 œufs, bacon, jambon, saucisse, pain blanc. Mais ça se fait automatiquement, je dirais, c'est parce que ça fait tellement longtemps, puis aussi qu'on a de la misère à sortir de notre zone de confort, peur de se tromper que ce soit pas bon, hein, j'ai déjà entendu, I never go wrong, là, tu sais, je prends toujours la même affaire. Ben, never go wrong, ben, tu risques de peut-être pas, tu passes à côté de quelque chose. Peut-être que ça va être bon, peut-être que non. Mais, si je veux changer, tu dis, OK, je veux commencer à manger du pain brun, quelque chose que tu n'as pas mangé, mais si on demande, est-ce que vous avez du pain brun? Ils vont nous dire oui. Parfait, je vais prendre 2 œufs, bacon, pain brun. Ouais, ben, c'est une petite habitude. On vient de changer, d'améliorer. Au niveau de notre pain qui va être plus nourrissant que du pain brun. Mais si après ça, on dit, ben, je prends, si on va souvent, disons, on va souvent au restaurant ou on veut changer des affaires puis on ne veut pas manger de patates parce que les patates, là, c'est deep fried, ça va dans, en général. Mais on peut leur demander, est-ce que les patates sont à la poêle? Est-ce que vous avez l'option? Ils vont nous dire oui ou non parce que des fois, ce n'est pas inscrit sur le menu. Ah, ben, je vais prendre des patates à la poêle, s'il vous plaît. Pouvez-vous acheter des oignons champignons? Il y a un frais surplus, parfait, on dit oui. Mais si on, ils ont juste des fryés, que c'est dans la graisse, là, dans une friteuse, on dit, je veux pas de patates. Ben, madame, ça vient avec. Je veux pas les avoir. Ça me dérange pas. Même prix, je les veux pas. Je vais prendre 2 œufs, ou même 3 œufs, pain brun, pas de patates. Ben, ça fait toujours une réaction. Parce que là, c'est qu'il y a comme une négociation avec la personne qui nous sert. Puis là, si on est entouré d'amis, mais là, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu changes? Blablabla. Ben, tu sais, il y a ça aussi de nos habitudes. Mais pensez à ces habitudes-là, des mots qui processent tout ça.
comme le service à l'auto, le drive-thru. Dans le drive-thru, puis pouf! Quand j'ai fait là, je voulais prendre juste du lait ou juste de la crème, j'ai mis du sucre. Trois sucres, trois crèmes. Et pas d'air. Mais c'est ça. Fait que là, Daniel, on discutait, c'est pas toujours facile parce qu'il y a des vieilles habitudes qui reviennent, puis ils veulent revenir ces habitudes-là. Mais c'est extraordinaire. On est tellement content pour lui, là, toute la famille, de voir ça. J'ai jasé avec sa conjointe. Bien, ça a changé leur vie au complet. Leur vie de couple a été changée, plein de choses, parce qu'on décide de changer des habitudes puis de ne pas rester pris dans ce corps-là. Fait que c'est vraiment sharp, là. Fait là, je vous apporte là un matin parce que je suis pas mal excitée, là. C'est que j'ai beaucoup, je suis propriétaire d'une salle d'entraînement, mais moi, c'est pas un gym conventionnel avec des machines, des poids, c'est pas traditionnel pendant toute mon affaire. C'est très, très différent de ce qui se fait en général. Puis, fait que ça n'a pas été facile, là, hein, t'sais, une entreprise comme ça, dans les derniers 3 ans, il y a plein d'affaires qui nous arrivent, on ne veut même plus en parler. Mais là, il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages, qui vont être là. Fait là, c'est un nouveau départ là, pour Énergie Fit. Là. En tout cas, je le ressens, là. Mais c'est grâce à vous autres, là, parce que vous êtes là, on en parle, je vous explique ce que je fais, puis là, par la bande, tout le monde parle de ça, puis on a le goût de faire partie de cette espèce de mouvement-là qui est différent, une approche différente avec Énergie Fit, fait que ça sort de... En tout cas, je suis bien excitée à matin, là, j'ai hâte d'aller rencontrer ces gens-là, puis tout ça, là, de voir comment ça va se passer dans les prochaines semaines. Mais ça reste que... Il y a sûrement, puis peu importe ce que vous êtes, même si vous n'êtes pas dans ma vie physique, que vous êtes à l'extérieur, puis vous dites, hey, Dani, je t'écoute, là, moi, j'ai le goût de faire partie d'un groupe, j'ai le goût de faire des choses différentes. Donnez-vous du temps. Donnez-vous du temps parce que c'est sorti de sa zone de confort, ça. C'est aussi banal que si tu décides, tu dis, moi, là, ma nouvelle habitude, je veux créer une nouvelle habitude, je veux ajouter une marche dans ma journée. Mais si tu restes dans un petit village, si vous ne restez pas dans un petit village, là, on se connaît pas mal tout, OK? Il y a cette proximité-là qui est vraiment agréable, puis on est comme une grande famille. Mais là, les gens de mon village ne sont pas habitués de me voir marcher sur le bord du chemin. On voit des gens marcher, on les voit tous les jours. Ah, hein, telle Sylvie, elle marche tous les jours, on la voit, tu sais. Ben là, moi, je veux faire partie de ça, j'ai le goût d'aller marcher. Ben, il y a une petite... c'est le bon chemin d'aller marcher. Ah, oh, mon Dieu, je ne veux pas aller marcher, c'est le bon chemin. Mais t'as le goût. Mais c'est ton option. Parce que ton travail est là, disons, là, je dis plein d'affaires. Puis, tu vas aller marcher. Il y a une certaine... pas anxiété, mais stress qui s'installe. Il faut sortir de sa zone de confort, il faut apporter des vêtements peut-être différents, dépendant de ce que tu fais comme ton travail. T'es décidé de dire, je vais marcher. Là, oh mon Dieu, vas-tu transpirer? Là, moi, je travaille avec le service à la clientèle. Ben, tu sais, il y a tout ça si tu veux travailler, tu veux marcher sur l'heure du midi ou le soir. Il y a différentes choses. Ça a l'air banal, mais je suis sûre qu'il y a plein de vous autres qui ont déjà vu ça. Fait, imaginez de rentrer dans une salle d'entraînement. De dire, hey, moi, là, c'est ça que j'ai le goût de faire. J'ai le goût de faire partie d'une salle d'entraînement où j'ai le goût d'aller faire du Zumba. J'ai jamais fait ça de ma vie. Qui c'est qui va être là? Comment qu'on va m'accueillir? Hey, où est-ce qu'est la porte? Quelle porte que je rentre? Où je mets mon manteau? Souvent, on ne verbalise pas ça, mais tout ça fait partie de sa zone de confort. La première fois que moi, chez nous, j'ai un escalier, quand on ouvre la porte, il y a un escalier. Puis, c'est ce qu'on me dit. Hey, ça a été difficile. Même si je te connais, Dani, c'était stressant. Il va t'y avoir d'autres mondes où je mets mes affaires. Puis, finalement, quand on passe par-dessus ça, c'est plus facile. Je vais vous conter ma tranche de vie. Moi, d'aller d'une salle d'entraînement, c'est zéro stressant pour moi. Peu importe ce que c'est, je suis en vacances, je vais fouiller. Il y a plein d'affaires qui ne me stressent pas. Ou que parce que je connais les affaires. Tu sais, puis quand les gens viennent dans ma vie physique, dans ma salle d'entraînement, je leur dis tout le temps, donnez-vous du temps, parce que le vocabulaire est différent.
si on parle d'un redressement assis, hein, vous avez vu des capsules que j'ai faites sur les redressements assis. Il y a plusieurs façons de le faire par rapport à où nos abdominaux sont rendus. Mais il faut l'apprendre, ça. Savoir, ah, c'est quoi. Comment prendre des élastiques, les bifit, comment les prendre, les ball fit, comment s'installer. Hey, j'apporte ça avec moi dans la salle d'entraînement, je reste tout ça dans l'entrée. Hey, il y a plein d'affaires qui rentrent dans notre tête. Bien, la semaine passée, mon site Internet, hein, je vous ai compté ça, j'étais vraiment fière, mon site Internet a été upgradé, là, il est up there, là, il est tout beau, puis my God, je suis fière de ça. Mais il a fallu que j'apprenne du vocabulaire, là, chose que je ne comprenais pas. Puis les gens qui m'aident avec ça, que je travaille avec le site Internet, ben ils me disent, va Dani, faut que tu délites telle affaire, qu'est-ce que tu avais avant? Ah ouais, ok, voilà, je fais tout ça. Je comprends pas le vocabulaire, je comprends pas les mots, mais c'est ça. Moi, un domaine, là, je sais pas c'est quoi. Tu sais, à la base, je suis une infirmière auxiliaire, fait que moi, une opération à cœur ouvert, là, je vais comprendre les termes, je comprends pas tout, mais je vais sûrement comprendre un paquet d'affaires parce que le corps humain, puis en tant qu'entraîneur, j'ai travaillé ma formation beaucoup. Mon cours d'entraîneur a été plus difficile au niveau du corps humain pour moi que mon cours d'infirmière, je vous le dis, là, c'était énorme. Mais là, un site Internet, un domaine, moi, c'est un domaine. Quelqu'un qui a un domaine, une maison, qui est une grosse maison, hey, ces gens-là, ils appartiennent à un domaine. Ça, c'est ça, un domaine. Fait moi, il me dit, délite tout ça. Il ne m'a pas dit, pas déliter le domaine, tout déliter. Arrive sur mon site Internet, le site Internet ne fonctionne plus. Donc, moi, je ne sais pas, m'a demandé, je les appelle, Dani, t'as-tu délité le domaine? Ben oui, tu sais, je ne sais pas, tout délité. Fait que c'est un vocabulaire qui est différent. Donc, si vous décidez d'aller, peu importe ce que vous décidez de faire pour aider votre corps à être en meilleure santé, votre santé mentale, votre santé physique, donnez-vous du temps. Parce qu'en général, le vocabulaire est très différent. Puis ça se peut que vous soyez un peu plus stressé, un petit peu plus d'anxiété, qui est tout à fait normal. Je suis sûre qu'on a toutes vu ça à un moment donné. Là, qu'est-ce que d'autre, je voulais vous dire? Il me semble qu'il y a d'autres affaires. Ah oui, puis là, d'autres choses qui sont en train d'arriver, puis grâce à vous autres, puis que vous êtes là tout le temps, parce qu'on est rendu, je pense, à 357 jours. Ça, un matin, je prenais mon café, moi puis Stéphane. J'ai dit, Stéphane, ça arrive un an, là, qu'à tous les jours, la communauté de Cédanie qui grandit, qui grossit, puis qu'on fait plein de choses. Fait là, ce qui est nouveau depuis quelques mois, ben j'ai commencé à faire. On me demande de faire des conférences. Ben, j'ai de la parlotte, ça c'est facile pour moi. Fait que j'ai commencé à faire ça. On m'a demandé d'aller dans des écoles, dans des entreprises, des organismes au niveau provincial. Puis là, j'ai une demande. Je vais peut-être m'en aller au Québec, dans le coin de Laval. C'est pas encore tout finalisé. Ben, je vous dirai où ce que je vais être. Vous aurez peut-être le goût de venir me trouver pour les gens qui sont du Québec. Mais je veux vous remercier parce que vous êtes là, puis ça vous fait du bien. C'est le but, c'est d'aller dans des petites affaires, baby step, puis de ne pas aller en restriction. Ensuite, d'être capable de ne pas se sentir mal, puis qu'on a notre place. On n'a pas besoin d'être des athlètes pour rentrer d'une salle d'entraînement. On a juste besoin d'avoir un corps qui est capable de marcher. On a toutes nos petites restrictions, nos petits bobos, nos petites choses, mais tout ça s'adapte. C'est le but, c'est de se sentir bien, d'aller bien 3 fois par semaine. Moi, c'est ce que je vous propose. Puis de faire des petites choses. On n'a pas besoin d'être tout tremble de sueur, époumonné. Là, je vois que mon ami Robert. Allô, Robert! Mon ami Robert est avec nous autres. Hey, Robert, c'est tout un athlète, là. Robert, il court. Je le regarde sur son Facebook, la barbuchette pleine de glace, les sourcils pleins de glace. Il n'y a rien qui l'arrête. Mais c'est inspirant de voir Robert y aller. Mais on n'est pas obligé d'être comme Robert, d'aller courir pendant des 50 kilomètres. Il y a des ça s'appelle des ultramarathons, les gens qui courent pendant
100 km, c'est admirable, c'est une coche de plus. Mais à chacune et à chacun, sa coche, OK? C'est chaque pas, chaque chose qu'on fait pour notre corps, qu'on se lève du sofa, parce que je suis en train de monter une conférence. Je ne sais pas où ce qu'elle va m'amener. Elle n'a pas été montée nulle part. J'ai commencé à réfléchir à ça. Puis là, j'ai trouvé le titre de ma conférence. C'est « La chaise qui tue ». Oui, la chaise qui tue. Ou le tabouret qui tue. L'être humain n'a jamais été aussi sédentaire de sa vie. De la vie de l'être humain. Ça n'a jamais été aussi terrible que là. Les problèmes de santé mentale, les problèmes de haute pression sur les enfants, sur les adultes, partout. J'entends des choses assez terribles. Santé Canada a fait une recherche, un sondage, je ne sais pas trop comment c'est fait, mais c'est Santé Canada qui le fait. 3 ans passés, avant la pandémie, on était à 80% du Canada. Les Canadiens, à 80%, sont obèses. On parle pas d'embonpoint, on parle pas de surpoids obèse. C'est énorme, mais je suis sûre que c'est plus que ça parce que, comme je vous dis, l'être humain n'a jamais été aussi sédentaire de sa vie. Ah, Robert, tu m'inspires toi aussi. Je te donne un gros bec. On s'est rencontrés il y a pas longtemps, là, entre autres, Robert, on peut dire ça, hein? Robert est directeur d'une école secondaire, une des plus grosses écoles au Nouveau-Brunswick, je pense, francophone. Si je me trompe pas, dans les plus grosses. Puis, j'étais invitée pour aller faire une conférence à des jeunes. Là, j'ai adoré ça. L'accueil était super. C'est sûr, Robert était là. Fait que, bon congé, Robert. Profite-en pour aller courir. Fait que, c'est ça. L'être humain, l'humain n'a jamais été, en tout cas les Canadiens, les États-Unis, hein, l'Amérique, aussi assis, aussi sédentaire. Comme on pense, suite, je suis sûre, vous pensez à télétravail. Oui, télétravail est là. Mais il y a aussi tous les petits ajouts. Hein? Quand moi j'étais jeune, je suis sûre qu'il y en a plein, là, je vois qu'il y en a beaucoup qui ont à peu près la même âge que moi au plus vieux. Ben, il fallait se lever pour aller tourner la manette, tourner la télévision de poste. Puis il n'y avait pas 56 pouces, hein? Il y en avait un ou deux. Radio-Canada, entre autres. Fait qu'il fallait aller tourner la manette, la patente sur la TV. Après ça, on a eu des manettes qui étaient reliées avec un fil. Avec un fil. Ça, les manettes sont arrivées. Maintenant, on peut... Moi, je suis tout le temps... moi, j'ai une vieille voiture. Là. Puis là, maintenant, on peut démarrer notre moto avec notre tablette, avec notre téléphone. Puis, sur notre téléphone, notre auto, elle s'allume. La même chose pour les portes d'entrée. On a des maisons intelligentes, les rideaux se lèvent tout seuls, on n'a pas besoin d'aller pour ouvrir les rideaux, hein, tirer sa filette sur le fil. Mais en bout de ligne, ça a l'air de rien, mais finalement, on bouge pas. On bouge pas dans une journée. Fait si on est assis toute la journée au travail, on arrive à la maison, on s'assoit, c'est une manette qui tourne toute, pèse le piton, ouvre le congélateur, prend... un TV dinner, là, en français, je ne sais même pas si ça existe en cause, ça s'appelle de même TV dinner. Quand j'étais jeune, je me rappelle, j'avais déjà vu ça, TV dinner, des repas congelés. Maintenant, il y en a des beaucoup plus santé, là, des repas congelés. Prends ça du congélateur, mets ça dans le micro-ondes, pèse le piton, ramasse le... Tu sais, je mets ça à l'extrême, mais ça c'est ce qui se passe. Prends ça, ça s'assied dans la télévision, change les postes, mange, pas de vaisselle, mets ça à la poubelle. Ben en bout de ligne, dans toute la journée, c'est très peu de pas. Fait même si on fait un petit peu d'exercice, il y a beaucoup de choses qui doivent être ajoutées à notre vie. Parce que, tu sais, puis les enfants qui grandissent là-dedans, il faut leur donner un exemple, leur donner des exemples que comment faire autrement. Je lisais un article, puis ça, ils disent que ce qu'ils prévoient, c'est au niveau de les diététiciennes, nutritionnistes, les gens qui s'occupent de la santé, de la nourriture, les docteurs en nutrition, que dans peu de temps, la nouvelle génération qui s'en vient, si comme parents, comme grands-parents, on ne fait pas un effort pour montrer à nos enfants comment faire à manger, ils vont perdre ça.
ils vont le perdre. Je sais qu'il y a un engouement, là, tu sais, parce que, comme le pain, là, le pain que j'ai fait deux sortes de pain sur ma chaîne YouTube, mais c'est là que j'ai le plus eu de views. C'est la vidéo la plus famous que j'ai faite, qui a été plus vue, que les gens ont aimé le pain. Fait que là, je suis en train de développer, de faire différents pains. J'aimerais avoir comme 7 différents pains faciles à faire pour aider les gens à faire du pain. Comme des buns hamburgers. On est capable de faire des buns hamburgers assez rapidement, pas compliqué. Fait que il y a quand même un engouement pour vouloir faire les choses, mais faut prendre le temps de faire des activités avec les enfants, les petits-enfants, avec grand-maman, grand-papa, comment faire les choses. Parce que pour moi, de manger en pleine conscience, ça va plus loin que je mange, je goûte, puis comment c'est bon, tu sais, oui. Mais il faut montrer à nos enfants, la poitrine de poulet, là, elle n'arrive pas du magasin, puis elle n'arrive pas du ciel. C'est où une poitrine de poulet? C'est où la partie de l'animal que ça vient? Le tofu, comment ça se fait du tofu? Bien, le tofu, tu sais, comment ça se fait? On peut en faire nous autres même à la maison si on veut l'essayer. Ça peut être une belle expérience à faire. Où ça vient? Si on boit du lait de vache, le fromage, le processus du fromage, où ça vient? Comment aller visiter les fermes? Nos agriculteurs ont besoin d'être valorisés dans leur métier. C'est eux qui mettent le pain, la farine, tu sais. Oui, absolument, Jamie, merci de la phrase. Pour transmettre la connaissance, c'est tellement important. Je pense que, tu sais, on parle beaucoup d'avoir des résolutions, puis tu sais, c'est souvent axé, là, j'écoutais un plein d'affaires, je vous en ai parlé la semaine passée, résolutions de santé, d'argent, d'être mieux, mais c'est souvent ça qui revient, là, de prendre le temps, d'avoir le temps, mais de transmettre la connaissance, ouais, Jenny, c'est vraiment, j'aime la phrase, là. Je pense que ça pourrait être une belle chose qu'on pourrait faire en 2023, de dire, vous êtes des grands-parents, vous êtes des parents, puis, ou dire, hey, manque, tu sais, une sauce, là, une sauce. Si elle n'est pas en canne, comment t'as fait? Est-ce qu'elle n'est pas dans un petit sachet que tu ouvres, puis tu mets de l'eau, puis tu t'envoies ça sur le poêle? Comment on fait une sauce? Appelle ta mère, hey, man, comment tu fais une sauce? Si tu as la chance et le bonheur d'avoir encore tes grands-parents, quelle belle activité. Grand-maman, grand-papa ou grand-maman, comment tu fais une sauce? Comment ça se fait, ça, une sauce? Hein? De scratch. On part, on fait une sauce. Ben, c'est facile. Ou de dire, tu sais, les enfants, ils aiment la poutine. Ah, là, faut que je vous dise ça. Hier, moi pis Stéphane, on s'est fait une poutine maison. Fait que, hey, c'est rare, je mange ça. Ben, va vous dire, on s'est couché tard, on a levé le coude un petit peu, mais pas trop. Fait qu'elle dirait, hey, il serait donc belle fun de se faire une poutine. Fait qu'on sort, on s'est plumé des patates, on a fait cuire du poulet, une poitrine de poulet. Je l'ai fait sauter avec des oignons, mais c'est calé. J'ai fait ma sauce, on a râpé du fromage. Il y a un ami qui avait apporté du fromage pour le 31, puis elle me dit, hey, ça vient de telle fromagerie, c'est du fromage frais de la journée. Ah, oh, ouais, je pense que c'était les Blancs d'Acadie, dans la péninsule acadienne. Fait que à la fin de la soirée, ça avait resté là. Fait que je l'ai pris. On a fait de la poutine avec ça. Puis on a fait notre sauce. Puis comment ça se fait? Oui, Louis, là, c'était vraiment, vraiment bon. Fait que des patates qui viennent de l'île du Prince-Édouard. On s'est fait des belles grosses frites. On a ajouté une poitrine de poulet, mais qu'on a divisé en moi et Stéphane sur le dessus avec des oignons, des champignons. J'ai fait ma sauce. Puis du fromage de mon coin de pays dans la péninsule acadienne. Fait que c'était vraiment, vraiment bon. Puis on l'a enjoyé au bout. On a même pris une bière avec ça. C'était fantastique. C'est pas de quoi qu'on mange à tous les jours. Mais ça, c'est manger en pleine conscience. De dire, hey, ça vient de là, ça fait ça, ça fait ça. Puis ça pourrait être une façon, les jeunes aiment ça à poutine. Ben
une belle affaire à transmettre. Hey, viens-t'en, je te montre comment faire de la poutine. Grand-maman, là, a fait la meilleure poutine ever. Hein? Ça pourrait être ça. Mais je vous laisse avec ça, cette pensée-là, de transmettre nos connaissances, mais aussi de sortir de votre zone de confort si vous avez l'intention, vous avez pensé de dire « je veux, j'ai le goût d'ajouter ça comme bas d'habitude ». Je commence ça parce que je sais qu'à soir chez nous, chez EnergyFit, il va y avoir plein de nouvelles personnes, ils m'ont envoyé des messages. Bon, je leur ai envoyé un message, je leur ai dit « je vais être là pour t'accueillir ». Je vais être là pour t'accueillir. Le groupe EnergyFit va être là. Les entraîneurs sont là. On est 10. Ils sont extraordinaires. Mais faites la même chose. Allez visiter avant. Envoyez un message à la salle d'entraînement ou à l'endroit où vous voulez aller. Est-ce que je peux aller visiter avant? Déjà, d'avoir le physique que tu es déjà allé. Quand tu vas aller la première fois pour t'entraîner ou faire des choses, faire de l'activité, mais ton espace physique, tu l'auras déjà vu, puis ça va être un petit peu plus facile. Fait que, merci beaucoup Diane, c'est gentil, merci tout le monde. Là-dessus, on va, hein, on finit ça toujours en beauté, le mercredi, on se fait un gros câlin, ceux qui sont nouveaux, il y en a que je n'avais pas vu souvent, vont me reculer. On se fait un câlin, on se prend dans nos bras, Robert, tu te prends dans tes bras, mon ami Robert, c'est pas la première fois que je le voyais, tout le monde, Sylvie, Chinette, tout le monde. Louis, on y va. Ouais, on y va. Des cœurs. Les internets vont capoter. Fait qu'on se fait un gros câlin. On va le faire au féminin et au masculin. Je suis belle, je suis bonne, je suis fine, je suis capable. Les gars, on y va. Je suis beau, je suis bon, je suis fin, je suis capable. Je vous souhaite une excellente journée. Je nous souhaite une année 2023 avec plein de surprises, de petits et de grands bonheurs, de petits fous rires et de grands fous rires. Vivez vos émotions, restez-les pas enfoulées. On a le goût de brailler, on braille. Ça fait du bien, puis on continue notre vie, on rit aux éclats. C'est donc ben le fun. Entourez-vous de gens positifs qui vous font du bien, puis on se parle demain, on partage, on aime et on commande. Puis merci d'être là tout le monde. Bye!